Je suis Judith Kalouaj-Kachita, artiste peintre et bédéiste. J'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts de 2009 à 2013. Et quand j'étais à l'académie, je choisis les départements de peinture. En deuxième graduat, nous avions un cours d'illustration où il s'agissait d'écrire notre propre histoire et illustrer. Je m'en sortais pas mal dans ces cours-là. Et il y a un grand frère, artiste aussi, qui était en licence à l'époque, qui travaillait déjà dans King Label, qui y était. Une association de bédistes congolaises a vu mes anciennes planches que je faisais quand je suis au lycée. Voilà, m'a proposé d'aller à King Label afin d'apprendre et d'approfondir mes connaissances en bande dessinée. Donc voilà, en 2010, j'ai intégré l'association King Label et donc c'est l'académie qui a vu mes premières planches être exposées. C'est là où tout a commencé. Je m'appelle Yann Kumbozi. J'ai fui étudiant à l'Académie de Beaux-Arts de 2008 à 2011. Bon, à propos de l'Académie, je dois avouer que j'avais passé un très bon cursus. J'ai beaucoup appris à l'Académie. Malheureusement, je dois certifier cela à des amis. C'est vrai que j'avais du talent, mais je me suis perfectionné en étant proche des amis qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient plus du talent que moi. Les professeurs qui sont à l'académie, ou disons les enseignants de l'académie, ne sont pas performants. Ils ne savent pas quelle est la demande du marché actuel. Ce qui fait qu'on peut finir à l'académie, on est très bon, mais on entreprend un autre métier. Parce que peaufiner mon talent, peaufiner mon talent, je l'ai appris plutôt via des amis que l'apprendre à l'académie, ce qui est bien dommage, quoi. Je m'appelle Tembokash. J'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts de 87 à 91. Voilà. L'Académie des Beaux-Arts, je voulais faire la bande dessinée, mais j'ai été désagréablement surpris de savoir qu'il n'y avait pas cette section. Mais un ami peintre qui a compris pourquoi j'étais là m'a dit, écoute, tu peux faire la publicité, la communication visuelle actuelle. Et il y a un prof, un des profs là-bas, le prof d'illustration et de photographie, c'est un bédéiste. Les cours de publicité, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec des profs magnifiques qui m'ont marqué particulièrement. Les cours à l'Académie des Beaux-Arts, à notre époque comme aujourd'hui, on donne les généralités. On donne les généralités, c'est-à-dire l'essentiel. C'est à nous, les étudiants, à faire des recherches. À 3 ans, j'avais une bonne base pour faire ma bande dessinée, puisqu'on avait des cours d'anatomie, d'ostéologie, de logique, de l'histoire de l'art. Et tous ces cours m'ont aidé à faire ce que j'ai envie de faire, puisque la bande dessinée, la caricature, je l'ai apprise sur le tas. C'est par passion, parce qu'ici, il n'y a pas de filière. Ici, au Congo, il n'y a pas de filière qui enseigne le métier de bédéiste et d'illustrateur de presse.